tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Comment dire? Un tuto sur le thème des animaux de la forêt. Par contre, je pense que je vais vous descendre un peu parce qu'avec le, avec ceci, vous verrez pas très très bien au niveau du tuto. Alors je vais vous rapprocher un petit peu comme ça sera parfait. Parce que je n'ai plus mon trépied, il s'est cassé. Donc voilà. Donc on va utiliser pour faire cette carte automnale. Après, à vous de faire en fonction de ce que vous avez au niveau du matériel. Je vais utiliser mon pistolet à colle. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez coller avec de la colle normale. Avec ce bâton-là. Ou la créa patch ou la tacky-glue ou encore de la colle enfin, n'importe quelle colle, voilà. Je vais pas chercher son temps pour vous montrer, mais voilà. Donc déjà de la colle. Donc pour tracer, j'ai alors au niveau des dimensions, je vais déjà vous donner la dimension de là. Après, vous faites n'importe quelle dimension. Vous adaptez vos dimensions à vous. Moi, j'ai voulu faire sur ce format-là. Donc, ici, il y a 9 cm sur 14,6. Écoutez bien. 9 cm sur 14,6. Après, vous adaptez selon vos envies au niveau des dimensions. Et après, vous adaptez votre deuxième base à la base de des dimensions de cette base aux dimensions de celle-ci. Si par exemple ici vous avez fait 9 cm, là vous faites 8,5 par exemple. Si ici vous avez mis 14,6, vous pouvez très bien mettre 14,3 ou 14 cm pour que vous puissiez voilà, la mettre comme vous voulez, la mettre sur le côté, la droite, la gauche ou au milieu. Moi je vais la mettre au centre, donc au milieu. Donc deux bases de papier. Ou même vous pouvez comment on dit? Vous pouvez adapter selon vos envies si vous voulez faire sur plusieurs avec plusieurs papiers vous faites comme vous voulez. Après moi je vais mettre ce washi tape là. Voilà, ça vient de chez Carrefour. Voilà, c'est avec des champignons. Voilà, et vu comme les champignons la plupart du temps on les trouve en forêt. Donc du coup je me suis dit ça ferait bien l'affaire. J'ai des stickers comme ceci, champignons. Alors pourquoi la colle chaude? Je vais en venir. J'ai des petits stickers, voilà, que je vais venir adapter selon mes besoins sur ma base de cartes. Voilà. J'ai plusieurs. Ça, c'est un die cut. Voilà, donc je vais venir le mettre également. Et j'ai un autre sticker, ce champignon. Voilà. J'ai mon die cut. Ça, je vais venir le coller avec mon bâton de colle que je vous ai montré en début de vidéo. Et pourquoi la colle chaude? Alors, voici pourquoi la colle chaude. J'ai des petits embellissements comme ça en mousse. Je sais pas si c'est de la mousse ou quoi. Mais j'ai ceci. Donc, je vais venir coller ça avec de la colle chaude. Alors, là, ce que je vais faire dans un premier temps. Je vais venir coller ma base comme celle-ci sur ma deuxième, sur ma base principale. Base principale et base 1. Donc je vais venir mettre ma base principale ici, prendre ma base numéro 1. Donc ma base numéro 2 plutôt parce que la base principale c'est la base 1. Donc je prends mon bâton de colle. D'ailleurs, il va falloir que j'en reprenne un parce que j'en ai presque plus. Et dès que je pourrai retourner à Action quand ça aura ouvert, je pourrai me refaire du stock. Donc je viens coller ma base de papier, ma deuxième base sur la base principale. Voilà, j'insiste bien sur les bords, hein, ça vous le savez, il faut bien bien insister sur les bords. Voilà, j'insiste bien au milieu aussi, c'est important.
Voilà, vous le savez depuis le temps que je vous fais des tutos sur la carterie et les ATC. Donc, ça, je vais essayer de le pousser un petit peu pour pas coller ma base principale. Voilà, je viens prendre, voilà, ma base principale. Après, vous le mettez comme vous voulez, hein, le papier, vous pouvez le mettre un peu de travers aussi, ça donnerait un style à votre carte. Donc, voilà, je viens coller. Je passe bien bien la main sur mon papier. Je regarde bien que là, ça soit bien collé. Voilà. Je la retourne, je passe bien ma main également pour bien faire adhérer la colle au papier. Voilà. Ensuite, la colle, je vais la reboucher. Même si je dois m'en servir, je vais la reboucher pour pas que ça sèche. Voilà. Ensuite, alors moi, je pense mettre mon renard un peu haut comme ça. Voilà, je vais le coller maintenant. Parce qu'après, je voudrais, voilà, qu'il mette les champignons par-dessus comme ça. Voilà, afin de le cacher un petit peu, genre l'air de dire qu'il se trouve derrière les champignons. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et peut-être mettre aussi la citrouille comme ceci. Voilà, genre qu'il est derrière la citrouille et le champignon. Voilà, donc je vais du coup mettre ma colle. J'espère que c'est clair, que mes explications sont assez claires. Parce que des fois, j'ai du mal à m'expliquer et ça peut porter à confusion. Voilà. Donc, une fois que j'ai collé. Une fois que je suis venue en coller mon petit renard, je vais venir le coller comme je voulais au départ. Voilà. J'insiste bien pour bien en coller. Si vous voyez que ça décolle un petit peu, vous revenez coller votre petit renard. Voilà, vous retournez, vous faites bien atterrir. Voilà. Ensuite, je vais venir. Alors, je vais d'abord mettre. Alors, je ne sais pas si je vais mettre d'abord celui-ci. Ce que je voudrais faire comme ça. Ici, je mets celui-là. Excusez-moi, je cache un petit peu. Voilà, je vais mettre celui-ci, il est beaucoup plus fin. Et après, l'autre, je vais quand même le mettre. Voilà, je viens coller mon champipi ici. Donc ça donne ceci déjà dans un premier temps. Ensuite, je vais venir mettre de la colle chaude sur. Mon die cut en mousse. Bon, après, vous pouvez laisser, hein, vous mettez juste au milieu une pointe, ça suffit largement. Voilà, il y aura un petit bout de champignon, même pas. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre du coup ce petit champignon. Voilà.
Je vais le mettre ici. Voilà, ça cache un petit peu la queue du renard, vous voyez. Voilà, c'est l'effet que je voulais que ça rende, donc ça tombe bien. Voilà. Ensuite, là, je vais faire comme ceci. Voilà. Ça me gênera moins au niveau de la colle. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je vais venir coller. Il me reste un tout petit bout de washi. Alors, je vais venir le mettre en haut. Après, si vous voyez que ça colle pas bien, vous pouvez rajouter de la colle. Hein. Voilà, même s'il va pas jusqu'au bout, c'est pas vraiment grave. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre juste sur le orange, le papier orange, ou sur n'importe quel papier de couleur que vous avez mis sur votre base. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est venir couper le surplus, peut-être, pour que ça fasse plus propre. Je suis désolée. Le papier, il est tombé. Donc dans ces cas-là, je vais venir, voilà, je vais couper. Désolée, mais j'ai un peu du mal. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Je vais le mettre là-dessus. Bon, ça va cacher un champignon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse voir les autres. C'est juste, voilà, pour cacher le fait qu'il n'y a pas de, voilà, de coin là. Voilà. Donc, ça donne. Après, voilà. Bon, moi, j'ai pas recollé, mais vous pouvez donner un petit coup de colle au niveau du washi. Ici, je vais venir prendre ceci. Je vais venir le coller ici. Je vais prendre la colle et je vais le coller. Je vais l'encoller pour pouvoir le coller sur ma base de carte. Voilà. Donc j'ai mis ma colle sur mon die cut et je viens le mettre ici. Voilà. Ensuite, ça on en a fini avec. Après, vous pouvez mettre un sentiment, hein. Bon, on va voir après si je mets un sentiment, on va voir ce que je pourrais mettre. Donc, je viens prendre ma petite feuille. Je mets une pointe de colle chaude. Et je vais venir la mettre comme ceci, comme si elle tombait au sol. Voilà. Je reviens, je vais voir ce que je pourrais mettre en sentiment. Peut-être mettre un petit sentiment automnal à voir. Ou sinon, je vais regarder ce que j'ai dans ma pochette et je reviens. À de suite.
Alors, j'ai trouvé un sentiment et je vais mettre celui-ci. Think happy. Voilà. Donc, je vais venir le coller. Après, je peux le mettre en 3D, mais j'ai pas envie de le mettre en 3D. Donc, du coup, je vais faire avec la colle normale. Je vais venir le reboucher. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Et voilà. La carte est à présent terminée. Ma carte ainsi que le tuto est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye!